Bien. Est-ce que tu aimes bien? Vous m'entendez? Agathe, tu es là. Bonsoir. Parfait. Bonsoir Agathe, bonsoir. Bonjour. Tout le monde. Bonjour, comment ça va? Ça va bien et vous? Olivia! Bonsoir. Olivia, bonjour. Comment ça va? Ça va, coucou Claudia, bonjour. Coucou tout le monde. Comment ça va? Bien. Eh bien, aujourd'hui, mesdames et messieurs, on voulait partager avec vous des morceaux d'art français. Donc, unas trozos ou unas piezas de l'arte française ou française. Donc, Agathe, je vais commencer la présentation et on va se lancer. Je t'en prie. Oui. Je suis la chef. Hein. Non, non, non. Non, 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 c'est vrai. Bien. Voilà. Se ve bien la pantalla? Parfaitement. Agathe? Parfait. Mais donc. Comme je l'ai dit, donc aujourd'hui, on voulait parler de l'art. Donc, de l'art, bien sûr, français ou francophone. Donc, l'idée est tout d'abord de se poser la question de pourquoi est-ce qu'il y a une journée internationale de l'art? Et pourquoi le 15 avril? Pourquoi aujourd'hui? Donc, la question, Agathe, est pourquoi aujourd'hui? Qui peut nous répondre? Qui peut nous dire pourquoi? Por qué hoy decidieron poner el Día Internacional de las Artes? Si saben, si tienen alguna idea, pueden escribir por ahora por el chat
Y vemos, donc aujourd'hui, on est le 15 avril. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? ¿Qué hay de spécial hoy para dar ese día por las artes? Est-ce que vous savez? Donc, vous pouvez utiliser le chat. Pueden usar el chat. Non. Aucune idée. Alors, c'est très bien écrit. Aucune idée, ni buena idea. Oui, es el nacimiento de Leonardo DiCaprio aujourd'hui. De Leonardo. Da Vinci. DiCaprio, no importa. Effectivement, c'est le jour de la naissance de Léonard da Vinci, hein, da Vinci, comme tout bon francophone. Bien, donc aujourd'hui, surtout la question est, à quoi sert la régate? Donc, à qué sirve? Donc, pour répondre à cette question, on a été chercher des citations, refranes ou citaciones d'artistes. Donc, le premier artiste, c'est Victor Hugo. Et Victor Hugo nous dit que l'art, c'est le reflet que renvoie l'âme humaine éblouie de la, splendeur pardon, du beau. Oh, c'est très joli. Et ça veut dire donc que l'art, c'est le reflejo de l'âme humaine deslumbrada por el esplendor de la belleza. Magnifique. Voilà. Victor Hugo. Donc, c'est comme ça que Victor Hugo définit l'art en général. On a ensuite une autre citation anonyme, celle-ci qui dit que l'art est le lieu de la liberté parfaite. Donc, arte es el lugar de la libertad perfecta. Troisième citation. Donc, ici, on est face à un anonyme, mais je pense qu'il a entièrement raison. Et donc, Enric, qu'est-ce que nous dit Enric? Il nous dit, si on ne comprend pas l'utilité de l'inutile, l'inutilité de l'utile, on ne comprend pas l'art. Ah, famille Ibsen, hein? J'adore. Donc, si on ne entiende la utilidad de lo inútil ou la inutilidad de lo útil, no entendemos el arte. Voilà. Tu connais Ibsen? Non, mais grâce à toi, je découvre des artistes tous les jours. Es un dramaturgo noruego, un dramaturge norvégien. Bien, effectivement. Donc, autre citation. De Goethe, donc il dit « La nature et l'art semblent se fuir et avant qu'on y songe, ils se sont retrouver. Magnifique. El arte y la naturaleza parecen huir el uno del otro y antes de que lo pensamos, se reencontraron. Oh, c'est magnifique. Joli. Ouais, c'est poétique. Ensuite, on a notre cher ami Pablo Picasso, hein, qui est passablement connu comme peintre. Et selon lui, l'art sert à se laver l'âme de la poussière de tous les jours. O sea, el arte se usa para limpiarse el alma de la mugre de todos los días. Exact. Et donc, pour terminer, on n'allait pas... C'est tout à fait juste. Et pour terminer, Agathe, on n'allait pas oublier DiCaprio, pardon, Da Vinci. Enfin, il nous en reste encore une après, mais on ne va pas oublier Da Vinci. Donc, à oui. Titi Toka. Il disait, il n'y a en art ni passé, ni futur. L'art qui n'est pas dans le présent ne sera jamais. Donc, aquí no hay pasado ni futuro en el arte. El arte que no está en el presente nunca lo estará. Très bien. Magnifique. Et enfin, je pense, ta citation préférée, Agathe. Oui. Il me semble. L'art de la citation est l'art de ceux qui ne savent pas réfléchir par eux-mêmes. Voilà, para terminar un poco de ironía,
de Voltaire qui disait que l'arte de la citation es el arte de aquellos que no saben pensar por sí mismo, como nosotras ahora. Exactamente. Très jolie citation. C'est une très jolie citation, et puis définir l'art est tout un art. C'est vrai, es muy difícil poder definir el arte en general, mais il y a une manière pour au moins ranger, para guardar los artes. Comment fait-on? Eh bien, regardons. Regardons ça ensemble. Effectivement, il y a une catégorisation de l'art. Donc, qu'est-ce qu'on rencontre d'abord, Agathe? L'architecture, le premier art. Tout à fait. Le second art sera la sculpture. En parlant de sculpture, Agathe, connais-tu cette merveilleuse sculpture présentée ici? Oui, c'est de Camille Claudel. Effectivement, la valse. Tout à fait. Donc, Camille Claudel, grande sculptrice, si je peux le dire. Sculptrice, hein, parce que c'est sculpteur encore aujourd'hui, mais néanmoins, on peut le féminiser. Très bien, donc le suivant. Alors ensuite, on a les arts visuels qui correspondront à la peinture, au dessin, c'est ça? Oui, pintura, dibujos. Et ici, effectivement, vous reconnaîtrez notre cher ami Monet, ou Monette, comme vous aimez hein, le dire. Donc, effectivement, les nénuphars. Comme quatrième art, el cuarto arte, la musique, comme vous avez pu en écouter au début de notre présentation. On reviendra là-dessus, ne vous inquiétez pas. Et bien, on va s'expliquer avant qu'on commence. Oui, dans le cinquième art, el quinto es la littérature et la poésie. Donc ici, effectivement, avec les fleurs du mal de notre cher ami Baudelaire, enfin Charles, pour les intimes. Enfin, pour los intimos, familiares, Charles. Le sixième art, donc là, ici, nous avons les arts de la scène, comme le théâtre, le cirque, donc qui font partie des arts de la scène. Dis-moi, la danse. La danse, bien entendu. Le mime. Et puis, le septième art, regarde. Ah oui, c'est vrai. On vous propose maintenant de nous dire quel est le septième art. En général, on le connaît sous ce nom. El séptimo arte. Otra vez, donc, si vous voulez. Au chat. Son super rápidos y rápidas. Rapides. On n'a pas le temps de poser la question. On a déjà la réponse. Oui. Oui, oui, oui. En effet, donc, le septième art a été décrété comme étant le cinéma. Tout à fait. Très nouveau, hein, qui a un peu plus de 100 ans. Tout à fait. En général, on parle de 1897 pour l'origine du cinéma. Si. Et pour los que estuvieron con nosotros, eso es una película de la scénariste, hein, de la directora. Que se llamaba, oh, ahora tengo un hueco, j'ai un trou, Agathe, c'est horrible. Agnès Jaoui. Gracias. Agnès Jaoui. Bien. Alors, le huitième art, les arts médiatiques. Qu'est-ce que c'est exactement les arts médiatiques? Alors, derrière les arts médiatiques se cachent la télévision, la radio, mais surtout la photographie. D'accord. Et pour terminer, le neuvième art, dont on parlera plus tard. Si. Dans le... Donc, on va découvrir, voilà, on va découvrir lo que es el nueve. Noveno arte, oui. Gracias. Agathe. Bien. À la fin. Mais en attendant, donc, on a eu... vous n'avez rien. Pardon. Dit. On avait envie de vous présenter quelques artistes de différents champs visuels, hein, unos artistas de distintas disciplinas, hoy, no de todas. Sinon, una, non, ce n'est pas la danse, raté. La danse, c'est un art scénique. Donc, unos artistas que seleccionamos, parce qu'en général, ça va être des artistes peu ou pas connus,
qu'on a envie de partager avec vous, unos artistas desconocidos o mal conocidos que quisimos compartir con ustedes. Sí. Et on va commencer avec le cinquième art. Donc, empezamos effectivement avec la littérature et la poésie. Agathe, qui est-ce que tu vas nous présenter? Alors, je vais commencer par Ninou Drouet. Ça peut être surprenant parce que c'est une petite fille. En effet, c'est une chica. Et oui, al momento que se hizo conocer, elle avait juste 8 ans, mais elle était poétesse. Donc, c'est une petite fille qui est née en 1947 et qui a été connue pour ses poèmes très jolis, très naïf, enfantin, hein, unos poemas un poco inocentes, ingenuos, infantiles, mais des poèmes qui avaient aussi un vocabulaire très riche et un côté très profond, très mature. Hein, unos poemas también que presentaban un rico vocabulario y que tenían una profundidad que revelaba una gran maturidad de parte de l'autre. Voilà. Je te propose, on peut écouter un peu la voix de Minou. On va écouter effectivement la voix de Minou. Dis Agathe, pourquoi Minou? On va y arriver? Parce qu'elle s'appelle Marie-Noël, se llama Marie-Noël. Et c'est une petite fille spéciale. C'est une petite fille qui parle beaucoup avec les animaux. Se lleva mucho mejor con los animales que con los humanos. Mm. Et Minou, es mi chifu. C'est le surnom des chats. Donc, elle préfère qu'on l'appelle Minou. Et vamos a escucharlo en su poema. Minou. Bueno. Je demande à mon petit doigt de me chuchoter pourquoi tous les fossés sont plus velus que le ventre de mon minet. Mon minet a dû avaler la lune. Mais qu'est-ce qu'il a tout d'un coup pour crier ainsi à la nuit? Niaou, niaou. La petite. Et Agathe. Il y a un synonyme, non, dans le poème, parce que tu as dit Minou, ça peut être comme un chat, mais dans le poème, elle dit Minet. Oui. En effet, on peut dire les deux, et en effet, donc Minou Drouet, au début, ça semblait une petite fille très naïve. Quand on la voyait, c'était la fille parfaite. Elle était très jolie, elle était avec sa maman, très mignonne, muy tierna, así que rapidamente vino el lado oscuro. Beaucoup de gens l'ont admirée. Elle a été mise dans beaucoup de publicités de... et elle n'aimait pas vraiment ça. D'ailleurs, elle disait, quand on me dit « on t'admire », quand on entend un petit oiseau chanter, on ne l'admire pas. Alors moi, je suis comme un petit oiseau, il ne faut pas m'admirer tout le temps. Tu veux traduire, Olivia? Je vais essayer. Et donc, las personas me admiran, pero cuando escuchamos a un pájaro cantando, no decimos, oh, qué lindo. Alors que yo, hein, entonces yo, soy como un pequeño pájaro y no tienen que admirarme todo el tiempo. Puedes hacerlo con sus profesoras, pero no conmigo. Bueno, sí, es muy lindo. Voilà, ça a malheureusement fait... certains se sont opposés à cette petite fille, ont voulu faire certains détracteurs. Donc là, on voit par exemple son livre, pardon, qui a été publié, Arbre, mon ami. Et beaucoup de gens ont douté. Unos dudaron que ella había podido escribir sus poemas. Lo que escucharon era un poco infantil. Cierto. Mais elle a écrit d'autres poèmes beaucoup plus sombres, beaucoup plus matures. Et ce peut être dû au fait que petite, toute petite, elle a été malade, elle a failli être aveugle. Casi se ha vuelto ciega, niña, tuvo que subir operaciones, sufrir operaciones. Así que eso le dio una cierta maturidad también. Era una chica muy especial, muy inteligente. Et donc, on l'a mise à part, la separaron de su mamá, pidiéndola que escriba algo, en lui demandant qu'elle écrive un poème pour prouver que c'est bien elle l'auteur. Comment pas la comprobar que ella sí era l'auteur. Et à ce moment, elle a écrit ce poème très, très intelligent, très mature et très profond. Qui s'appelle... Et aussi très sombre. Oui, aussi très sombre. Mm-hmm.
Ciel de Paris, bois, secret, cher, qui par hoquet crache à nos faces par la gueule ouverte des rangées de maisons, un jet de sang entre ses chicots lumineux. Ciel de Paris, cocktail de nuit et de peur, qu'on savoure à petits coups de langue, à petits coups de cœur, du bout d'un chalumeau de néon. Ciel de Paris, immense fauve, ventre ballant, couleur d'aurore et de tempête, je te sens si près, si pesant, si offert, tel un champ de guerre velu d'herbe couleur de sang, que je sens, je ne sais pourquoi, tout mon corps reposé sur toi. La route n'a plus de sens pour moi. J'ai l'impression c'est vraiment bête. Tant mon corps est soudé à toi. Ciel, que je marche sur la tête. Magnifique. Voilà, donc, c'est peut-être un peu compliqué. Hein, tal vez es un francés un peu complicado porque por una niña es muy avanzado. Decía su mamá que era a veces un poco cansadora porque siempre tenía un vocabulario muy amplio y siempre pedía más, preguntaba más, preguntaba la palabra, qué rima con tal palabra. Alors, je peux peut-être vous traduire juste la fin à partir de « Je ne sais pourquoi tout mon corps repose sur toi. Yo siento, no sé por qué todo mi cuerpo caer sobre vos. El cielo de París. Y tengo la sensación, qué estúpido que será, tan mi cuerpo está pegado a vos, cielo, que estoy caminando sobre la cabeza. Voilà. C'est une petite fille qui sent les choses de manière très spéciale. Très spéciale pour son âge. Rappelle-nous son âge. Puedes recordarnos su edad? Estaba como oui. 8, 9? Elle a écrit ça en 1956, donc elle a exactement 9 ans. 9 ans, ce n'est pas très grand nombre. Incroyable, hein? Incroyable. Et donc, ouais. Tu disais, Agathe, qu'elle a eu beaucoup de détracteurs, donc muchas personas que dudaron que oui. Ella escribo todas esas cosas. Hein? Oui, que haya escrito eso. Et en plus, on a par exemple Jean Cocteau, ce poète très connu qui a écrit des choses plutôt méchantes à son égard. Hein. On ne va pas dire ici, pero unos escribieron cosas realmente muy bravas hacia esa niña. Así que pasó un año y dejó de escribir. Se retiró y no quiso toda esa fama y todo ese éxito. Mm. Mais on a aussi une petite note pour terminer sur Minou. Elle a écrit ça pour prouver que ce n'était pas sa maman qui écrivait les poèmes. Et à la fin, elle a rajouté « Ma maman, c'est pour te défendre que j'ai composé ce poème. » Pour prouver que c'était bien moi qui écrivais mes petites choses. Ce texte a été beaucoup plus qu'un sujet imposé. Il a été pour moi un acte d'amour envers toi. Mamma mia, espera, es para defenderte que escribí este poema para demostrar que efectivamente fui yo quien escribí mis cositas. Este texto fue mucho más que un tema específico. Fue para mí un acto de amor hacia vos o hacia ti. Ouais. Adorable. Merci. Donc je vous invite à lire un peu de poème de Minou Drouet. Un peu parce qu'il n'y a qu'un seul recueil okay. de poèmes. Mm-hmm. So, solamente uno libro, un libro con sus poemas. Bien. Donc après la poésie enfantine, on va passer à l'art de Niki de Saint-Phalle. Alors Niki de Saint-Phalle est une peintre, sculpteur française, franco-américaine, pour être tout à fait précise. Et donc, c'était une artiste féminine, donc elle a vraiment développé beaucoup de féminin, mucho femenino en su arte. Elle était également féministe, donc féministe. Et c'est grâce à l'art qu'elle a pu lâcher ou libérer tous ces traumatismes, sus traumas de la infancia. Donc, elle a vraiment utilisé l'art pour se guérir
para, sí, para resolver sus problemas de niña. Et vous allez voir qu'elle a aussi utilisé énormément de couleurs. Et ça, vamos a ver que c'est un art très coloré, multicolore, hein, con un montón de colores. Donc, vous voyez ici, Nikki, hein, dont le nom initial est assez long. Agathe, je te laisse lire ce magnifique prénom et nom. Catherine Marie-Agnès Fall de Saint-Fall. Voilà, donc plus simple, Nikki de Saint-Fall. Hein, je suppose que vous serez tous d'accord avec ceci. Donc, Nikki, c'est assez comique. Hein, es chistoso porque empezó como modelo, como mannequin, donc modelo, pour des magazines, para revistas como Vogue, como Life, como Elle, hein, que son revistas muy conocidas en el mundo de la moda. Et donc, elle a commencé comme objet de mode, objet d'art, avant de créer de l'art. Et donc, elle a été notamment connue, ou elle a commencé à être connue avec une série d'œuvres, con una serie de obras muy impresionantes. Dime, Agathe. Olivia? Sí, ¿no me escuchan? ¿No me escuchan? ¿O me escuchan? Agathe, te pienso que es por tu lado esta vez, porque todos me escuchan, ¿vale? Oui. No, no, no pasa nada, no pasa nada. Donc, j'en étais où? Excusez-moi, parenthèse. Donc, Nikki de Saint-Fall a été très connue, ou en tout cas a commencé à être connue, quand elle a proposé des œuvres de sa série Tyr, donc Pegas, hein, para pegar. Donc, la idée était de proposer obras qui étaient faites avec du plâtre, plastron, suppongo, donc qui étaient faites de plâtre, et elles collaient, donc pegada, enfin pegada, comme des petits ballons de peinture. Et il fallait prendre une arme et tirer dans les petits ballons de peinture. La idée était de pegar en esos pequeñas bolsas, bolsitas de pintura, dis-moi, Agathe. Moi, j'ai une question. Donc, si c'est le spectateur qui crée l'œuvre d'art, est-ce qu'on est dans la performance aussi? Parce qu'il y a écrit deuxième et troisième art. ¿En qué arte estamos? ¿En la pintura? Alors, en este caso, todavía estamos más en la pintura. On est toujours un peu plus dans la peinture. On va voir que son art, après, a évolué vers la sculpture. Elle a toujours continuaba a pintar, pero también a hacer esculturas después. Et donc ici, c'est une performance parce que des amis artistes ou des visiteurs de la galerie, hein, visitantes de la galería, podían pegar y participar a esta obra. Donc c'est génial, je trouve que c'est super bien fait. Donc ça, c'était son première série, primera serie de obras muy conocidas. Después, hein, con esta con esas obras, ella dijo que il existe dans le cœur humain un désir de tout détruire. Détruire, c'est affirmer qu'on existe envers et contre tout. Donc, aquí es la manera de decir que existe en el corazón humano un deseo de destruir todo. Destruir es como afirmarse. Afirmarse en contra de la vida y de todo. Porque es su forma también de digerir sus traumas de su infancia. Porque ella pensaba que su papá estaba un destructor de su vida. Porque su papá abusó de ella. Eso fue el trauma que reveló como cuando tenía 62 años. Porque ella reveló ese secreto en un libro quand elle avait 62 ans. Donc, les autres œuvres, une autre série, otra serie de obras que es magnífica, c'est les nanas. Alors, les nanas, no sé si conocen esa palabra. Dis-moi, Agathe. Oui, je voulais demander, qu'est-ce que ça veut dire, nana? Comment est-ce que toi, tu le traduirais? Parce que moi, j'avais proposé chicas, mais tu m'as dit que ce n'était pas assez colloquial.
Oui, pour moi, c'est un peu muchacha. C'est plus muchacha, Prima. Effectivement. Ouais. Donc, les nanas de Niki de Saint-Fan. Donc, on va regarder deux, trois sculptures. Vamos a ver unas esculturas de Niki. Pero otro hecho muy importante de su vida. Donc, se casó con Jean. Alors, estoy mala con los nombres, lo saben, ¿no? Tingali. Donc, Jean Tingali, el hombre aquí. Et hasta los años 2000, donc jusqu'aux années 2000, todos los críticos, otros artistas pensaban que él estaba el artista y no ella. Donc, otro mundo con otra fama por los hombres, hein, que estaban siempre más famosos que las mujeres. Donc, c'était un fait pour moi important à partager. Alors, on va regarder quelques œuvres de Niki. Tu as encore une question, Agathe, bien sûr, je t'en prie. Oui, je suis désolée, j'ai beaucoup de questions. Hein. Mais je croyais avoir entendu que Tingali et Saint-Phal ont fait des choses ensemble aussi. Ils ont fait ils ont participé ou créé, donc crearon obras de pareja. Pero la mayoría de las nanas, hein, de las muchachas, y de todas esas obras de la serie Etir, fueron obras suyas y no de los dos. Pero hay una muy famosa de las nanas que hicieron juntos, que vamos a ver en un minuto. Alors, regardez ici, vous avez une des œuvres, una de las obras de la serie Tyr. Pegamos, ¿eh? Donc ici, dans cette œuvre qui s'appelle King Kong, vous avez des symboles de l'époque de la guerre froide, donc de la guerre fría, et donc de la guerre froide avec toute la menace de las bombas nucleares, hein, avec toutes les bombes nucléaires. Et donc ici, vous voyez de la fumée comme s'il y avait boom, hein, vous voyez le mot boom, des bombes qui explosent, et vous avez King Kong qui est la représentation de la force qui vient détruire, hein, à travers destrucción, hein. Donc, au travers de son trauma de son enfance. Alors, ici, vous avez Kennedy. Je ne sais pas si vous le reconnaissez, hein? John Kennedy. Et vous avez ici, bon, alors De Gaulle, il faut le reconnaître. Hein? Donc, Charles De Gaulle, qui était le président français, qui estaba el presidente francés en esta época. Et donc, de nouveau, donc, ici, vous voyez les couleurs qui ont été tirées, hein, que fueron pegadas. Les nanas. Alors, les nanas, ce sont des femmes tout à fait différentes. Donc, on est dans un autre registre. Estamos en un autre registre de arte. Escultura, primero. Donc, on est dans la sculpture et dans la couleur, dans l'exagération. Les femmes sont opulentes. Donc, las mujeres están con formas, bailando, elles dansent. Elles sont pleines de couleurs, elles sont pleines de vie. Donc, chemin. Todas son llenas de vida. Et ici, vous avez une femme à Paris. Donc, une de ces nanas qui est exposée, ou qui est en tout cas en exposition éternelle ou permanente à Paris. Alors, autre hecho un poco particular, si vous pouvez le dire ainsi. Donc, vous avez une nana géante, hein, gigante, hein, qu'elle a créée avec son mari. Esta vez es una obra de pareja. Ça va, la hizo con su pareja, hein, con su marido. Et ici, je ne sais pas si vous pouvez voir que la idea es entrar por la vagina, à travers le vagin de la nana. C'est une forme de dénaissance. Donc, à contre-nommer ça de tu, regarde. Des naissances. Donc, on re-rentre dans le ventre de la mère. Donc, c'est l'inverse. Donc, ce n'est pas une naissance, c'est un retour à la base. C'est comme on regresse à la base. Alors, adentro de la nana gigante, habían obras de ella, su marido y otro amigo suyos. Et donc, vous voyez, donc, ça a été une œuvre de 1966. Et cette fois-ci, c'était une œuvre éphémère. Ça va, qui a été déshecha después de la exhibition. Voilà, donc ça, c'était
pour Nikki de Saint-Phal. Et donc, à ton tour, Agathe, de nous présenter un artiste. Et cette fois-ci, nous passons à la musique. Exactement. Nous allons donc, parler de musique. Vous présenter Cécile Chaminade. Vous avez entendu au début, pendant qu'on attendait que tout le monde se connecte, on vous a passé une petite valse au piano. Et cette valse a été composée. El tema que escucharon desde el principio, al principio, mientras otros se conectaban, era una valse de Cécile Chaminade. Donc, Cécile Chaminade, ça a été une star internationale incroyable avec des milliers de fans, mais qui a été effacée. Aujourd'hui, on commence à rejouer des œuvres de cette femme et elle ressort à la lumière. Fue una estrella internacional que dio giras en todo el mundo. Y después lo olvidemos durante todo el siglo XX. Y hoy en día se empieza de a poco en Inglaterra, en Portugal, primero a tocarla de nuevo, sus obras. Incroyable. Es française. Oui. Incroyable. Alors, c'est Cécile Chaminade. On va commencer par le début. Elle est née en 1857. Elle commence petite à jouer du piano. Tocaba piano chica. Et Bizet la remarque. Alors, qui est Bizet? C'est ce que j'allais te demander, c'est qui Bizet, Agathe? Qui est Georges? Georges Bizet. Qui est voilà. Georges Bizet? Donc, fue descubierta, estuvo descubierta por Bizet. Peut-être que comme ça, vous connaissez. Donc, c'est l'auteur. Non, mais burlo de ustedes. C'est l'auteur, oui, un compositeur de. Un des opéras les plus joués, merci Gioia, c'est l'auteur de Carmen. Voilà, donc Bizet, c'est quand même une pointure. Hein. Es una personalidad importante en el mundo de la música. Il remarque donc Cécile, toute petite, cuando era chiquita, tocando Beethoven. Incroyable, il est fasciné, il l'appelle, il la surnomme le petit Mozart. Le problème, c'est que son papa ne veut pas qu'elle fasse de la musique. Su papa no quería porque no era muy bien pour una mujer en la época hacer música. Donc, elle prend des cours depuis chez elle. Elle donne son premier concert, donc là, comme on voit, à 18 ans, à la salle Pleyel. On voit la salle Pleyel à droite, pardon. Et le public est fasciné. Il l'a acclamé, l'a applaudieron. Et à ce premier concert à 18 ans. Et suite à ça, malheureusement, heureusement, hein, buena suerte, mala suerte, falleció su papá, bingo, pudo ir a hacer giras en el mundo entero. Il n'y avait plus cette restriction paternelle, donc elle a pu partir. Elle est partie faire des tournées aux Pays-Bas, en Angleterre, en Grèce, en Turquie, aux États-Unis. Et oui, elle a fait des concerts hasta Estados Unidos, y siempre con sala llena. Ah, no hay trabajo ni un alquiler. Salle comble partout. Elle rencontre Roosevelt. Elle rencontre le président Roosevelt. Elle rencontre la reine Victoria en Angleterre. Hasta un hecho antes de los Beatles. Sí, sí. Crearon unos clubs de fans en el mundo. Hein. Se llaman los clubs Chaminade. On a créé des clubs Chaminade, presque 100. Où des compositeurs et des musiciens se retrouvaient pour parler des compositions de Cécile Chaminade. Donde se encontraban para charlar alrededor de sus obras, parce qu'elle écrivait énormément. Hein. Elle a écrit des œuvres pour piano, des œuvres de musique de chambre, de música de cámara, des œuvres pour orchestre, des œuvres vocales. Elle a vraiment un répertoire très, très impressionnant. La querían como compositora, como intérprete. Interprete, pardon. Super intéressant. Et je trouve la musique... Merci d'avoir choisi le numéro que j'aimais bien. Hein? Pregunte a Agathe para escuchar el primer, la música que escuchamos. Porque la valse d'automne, voilà, qu'on a écouté au début. Et malheureusement, elle s'est arrêtée à la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, ella... dejó su carrera por completo, dejó de componer. Elle est devenue directrice d'hôpital
et elle n'a plus jamais écrit de musique, on ne sait pas pourquoi. Primera Guerra Mundial se volvió directora de hospital y dejó de escribir música y después la historia se encargó de olvidarla, malheureusement. Mm-hmm. Je vous propose pour continuer qu'on écoute un petit extrait de ses œuvres vocales. Puedo? Je peux? S'il te plaît. Si la compo quiere. Sí, no sé. Allez, pour fin. Le décalage. Ah. Bravo. Magnifique. Bien. Mais donc, après avoir parlé de musique, nous allons passer à un tout autre domaine. Donc, vamos a pasar a otra cosa totalmente diferente. Y tal vez más moderna. Lo siento, Olivia. Olivia es la tecnología. Mis alumnos ya lo saben. Bien. Donc, ahora queríamos presentarle presentarles a alguien del primer acto, que es donc, un arquitecto, donc, parce que le premier art, c'est l'architecture. Et donc, pour ceux qui éventuellement connaissent, no sé si conocen, a Philip Stark. Donc, Philip Stark es alguien muy conocido en el design y dans l'architecture moderne. Et donc, él es un des pionniers, hein, uno de los primeros, a proponer un design un poco más democrático, en el sentido más barato, porque usualmente, hein, generalmente, le design moderne es quelque chose de relativement cher, bastante caro. Donc, Philippe dit de lui-même qu'il a une maladie mentale, qui, à mes yeux, n'est pas trop grave, hein, que nous paraissait tan mal, la créativité. Alors, il a touché à plusieurs domaines. Donc, trabajó en un montón de secteurs différents. Par exemple, il a travaillé donc, comme architecte, por supuesto, donc dans la création et le design de bâtiments. Ici, vous voyez un bâtiment qui s'appelle le nuage. Donc, le nuage, la nube, qui est un bâtiment qui a été donc, conçu par Philip Stark et qui est un bâtiment consacré donc, au bien-être. Donc, hay adentro de este lugar hay solamente tiendas por el bienestar, salas de deporte, todas las cosas por el bienestar. Autre domaine d'architecture. Oui, pardon, Agathe, excuse-moi. Oh, yeah. Hay uno que nos especifica que también hizo algo en Buenos Aires. Il a fait un hôtel à Buenos Aires, visiblement. Il a fait. Ah, non. Dites-moi un petit peu. Et pour chat, pueden decirnos si lo conocen y si conocen este hostel en Buenos Aires. Alors, autre cas important ou autre œuvre importante, hein, también una obra, il a diseñó el yacht. Hein, le yacht de Steve Jobs. Donc, il l'a conçu avec Steve Jobs. Malheureusement, Steve
est décédé, hein, falleció, Steve, hein, non Philippe, Steve Jobs, falleció antes de poder ver el yacht terminado. Donc, c'est la famille de Steve Jobs qui a hérité du yacht qui a été conçu par Philippe et Steve. Donc, los dos lo diseñaron juntos. Ici, il est super connu, es muy conocido en Europa, al menos, por tout ce qui est mobilier urbain et décoration d'intérieur. Donc, pour lui, comme je vous l'ai dit, comme ya lo dije, quería ofrecer un design más democrático, más barato a la gente. Y il a proposé, du coup, il s'est inspiré de design ancien qu'il a modernisé. Et donc, il propose toutes des décorations et tous des meubles d'intérieur à des prix donc plus démocratiques. Une de ses œuvres ou une de ses pièces hein, majeures de décoration d'intérieur, ce sont ces fameuses chaises Louis Ghost. Agathe, est-ce que tu as une idée d'où il aurait pu tirer son inspiration? Donde sacó su inspiración para inventar o diseñar? Escucho algo. Escucho algo. Ah, ok. ¿Alguien tiene una idea? No, oh. Creo que es alguien que se había desmuteado sin querer. Ah, okay. Dale. Después... Entonces aquí tienes una idea, Agathe. Es que tienes una idea. Versailles. Versailles, ma très chère. Tout à fait. C'est ça? Donc, oui, il s'est inspiré hein, du style Louis XVI. Pour los, enfin, pour ustedes que conocen o no, aquí pueden ver, eso es típicamente le style. Hein, el estilo Louis XVI. Y pueden ver aquí, bueno, es más moderno, por supuesto, y hecho de plástico, pero reciclado, porque también es algo importante para él de cuidar a la naturaleza. Donc, c'est important pour lui aussi l'aspect écologique. Voilà, mais donc ça, c'est Philippe Starck, donc grand designer et architecte français. Et j'ai une question. Bien sûr, regarde. Il n'a pas fait quelque chose pour le palais présidentiel français? Merci de me le rappeler. Effectivement, muy importante. Donc, il a revisité, donc refait, hein, réacher, il a refait toute la décoration de l'Élysée. Donc, l'Élysée, saben, hein, c'est la oficina del presidente francés, hein, donde él vive, enfin, son los apartamentos, el piso, si puede decirlo así. Donc, c'est là où vit le président français, et donc il a revisité les appartements du président Mitterrand. Donc pour ceux qui connaissent François Mitterrand, il a été un des grands présidents socialistes de la France parce qu'il est quand même resté 14 ans au pouvoir. Donc c'est quedó 14 años como presidente francés. Bien, merci Agathe, sí, lo había olvidado. Merci Agathe. De rien. À toi. Donc maintenant, tu vas nous parler de quelqu'un de prestigieux qui a aussi des liens avec l'Argentine. Oui, effectivement. Si je fais ça, ça te fait penser à quoi? À la danse, oui. El baile. C'était facile, hein? Oui, c'était simple. Donc, on va parler de Maurice Béjart. Alors, pour ceux qui s'intéressent à la danse moderne, évidemment, vous allez me dire, oui, on le connaît. Mais tout le monde ne connaît pas la danse moderne. El baile moderna. Donc, il a été, la danse moderne a été est née au XXe siècle. Hein, es un movimiento que nació en el siglo XX. Et les grandes figures, on va compter Merce Cunningham et Tisha Brown, Martha Graham aux États-Unis, Pina Bausch en Allemagne. Et en France, on a le grand Maurice Béjart, que personnellement, j'adore énormément. Donc, il est né à Marseille en 1927, nation de Marseille. Et c'est quelqu'un donc, qui disait « Je suis perméable aux ailleurs. Ailleurs es un lugar que no está. » Effectivement. « Perméable aux ailleurs. » Aux ailleurs. Effectivement, Agathe. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par « Je suis perméable, donc perméable, abierto. » Puedo decirlo así? Est-ce qu'il est ouvert aux ailleurs? À las cosas diferentes? Oui. C'est ça. Donc,
C'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, viajó mucho, il a voyagé en Iran, en Inde, en Argentine, tiens. Et il s'est toujours inspiré énormément des cultures où il était. Donc, il va sur scène mélanger du classique avec, par exemple, le Kathakali, le mouvement traditionnel indien, avec des mouvements de tango. On verra ça. Mezclaba mucho, le gustaba los choques de culturas, como decía. Entonces, le gustaba mezclar así todas las civilizaciones en las cuales vivió o que encontró. Et en plus, il avait un rapport très spécial avec ses élèves. Il a ouvert des écoles, abrió muchas escuelas, où il dispensait des cours de philosophie, de yoga, de théâtre, parce qu'il voulait que les élèves soient eux-mêmes. Decía que para crear necesitabas que los bailarines sean cada uno sea a sí mismo, que el sí mismo salga de la persona. Et il y a beaucoup de chorégraphes très connus qui sont sortis de ces écoles. C'est très long. Ça pourrait être très long, podría ser muy largo hablar de él porque tuvo una carrera sí. bastante amplia. Larga. Voy a resumir. Último punto. Donc, hizo sobre Ravel, sobre música de Ravel, sobre Stravinsky, sobre Jacques Brel también. Y ahora vamos a ver sobre un tango. Porque su musa, que se llamaba Jorge Don, era un argentino de San Juan. Que también, si le gusta, deben conocer el bolero. Hizo una coreografía sobre el bolero de Ravel, una de las más famosas, y estuvo hecha para Jorge Don, ese intérprete del bolero, que aparece al final de la peli de Lelouch, Les uns les autres. Bueno. Hipnótica. Esa coreografía se la recomiendo, pero demasiado larga por ahora. Sí, donc, 15 minutos, ¿eh? Así lo saben. Okay. 20, 24. Oui, 20. Mais avec cette musique obsédante. Non, magnifique. Con esa música obsesiva, es. Uno no puede dejar de mirar ses chorégraphies. Es verdad. Voilà, mais je vous propose de voir tout de suite Mozart Tango. Donc, quand aux échoques des cultures, il a mélangé ce qu'il avait en lui avec le tango et ça donne la comparsita de Béjart. Vámonos. Thank you.
Magnifique, magnifique. Voilà. Ya vieron un tal tango, semejante tango, papá. Sí. Exactamente. Es... Tout à fait. Si mon ordinateur, si, pero no sé. Dale, voilà, gracias. No sigo bailando yo. Para animarles. Sí, bueno. Alors, vas-y Agathe, si vous voulez rajouter quelque chose. Pour terminer, on fait quoi? Alors, pour terminer, je vais vous présenter mais rapidement un photographe très connu. Et après ça, on a encore un petit quiz. Tenemos un pequeño quiz si quieren jugar después. Pero primero, quería solamente mostrarles Robert Doisneau. Doisneau. Yo quiero siempre decir Doisneau, pero se dice Doisneau. Eso es la forma belga, supongo. Donc, bien, donc Robert est un artiste, donc un grand artiste, un célèbre photographe français. Alors, il a commencé comme photographe industriel. Donc, comme photographe industriel, il travaille pour años en la empresa Renault. Vous savez, les voitures Renault. Et puis, il fue despedido por ser no tan buen fotógrafo. Bon, hein, así son, van las cosas. Pero no fue el hecho. Il était très bon photographe. Et donc, il s'est tourné vers le photojournalisme. Donc, il a commencé à travailler pour les magazines Elle, Paris Match, Life. Et donc, il faisait des photos pour accompagner les articles. Donc, il fait des photos ou tomó photos pour accompagner les articles de los journalistas. Et puis, surtout, il a été excessivement connu, un muy conocido, pour sa photographie de rue, donc su fotografía en las calles, y principalmente en las calles de París, hein, la capitale de l'amour. Sa photo la plus connue est celle-ci, le baiser de l'hôtel de ville. Estoy segura que ya la vieron, porque es una de las más conocidas del mundo. Puedes verlas en todas las oficinas de los dentistas. Es una foto mundialmente conocida. Y entonces, él ha pris énormément de fotos spontanées aussi. Ici, por ejemplo, los enfants de París que juegan, los niños que juegan en la calle, bueno, a la hora delante de la Tour Eiffel, algo muy mágico. Y puis, él ha pris beaucoup de photos à l'école. Et ici, une de ses photos également les plus connues, donc les enfants de la rue et à l'école. Aquí, esa photo tuvo, tiene historia en el hecho que normalmente él tomó fotografía de manera espontánea. Y por un tiempo muy largo, todos pensaron que eso también fue algo espontáneo, pero no. Donc, c'était une mise en scène. Donc, ici, on a demandé à ce couple de s'embrasser. Donc, nada de espontáneo. Donc, c'était quelque chose arreglado. Oui, Agathe. Est-ce qu'il a photographié que, c'est solo saco foto, des gens comme ça dans la rue, dans nadie? Desconocidos? Non. Ouais. Alors, il n'a pas photographié que des desconocidos. Il a également photographié des artistes. D'accord. J'aimerais d'ailleurs que vous, le public, ustedes, traten de reconnaître quién sos esos dos. Es una banda de música. Alors, no sé si van a reconocerles. No sé si tienen el chat todavía. Y si pueden reconocer. Voy a poner un poco de música y tal vez ayuda. Bon, je vais mettre un peu de musique. Yo.
non? Alors, no pasa nada. Ce sont... Ah, tal vez una respuesta? Non. Ce sont... Non, les Rita Mitsuko, pour ceux qui connaissent Rita Mitsuko. Un deuxième artiste, peut-être un peu moins connu, mais qui est fortement, muy conocido en Francia. No sé si lo conocen. Ayuda, chico, tu connais Agathe. Ah, hay una persona que conoce. Oui, bien Nathalie, bravo. Ah, parfois. Effectivement, c'est Renaud. Renaud, je vous conseille d'écouter sa musique, elle est très belle. Donc, une de ses chansons les plus connues était Morgane de toi. Voilà, donc ese fue el último artista que queríamos presentarles. Y ahora, si tienen cinco minutos más, vamos a hacer un juego. Moi, je voulais savoir, au début, on avait parlé du 9e art et on n'a toujours pas dit ce que c'était. Pardon, my God. Me olvido de todo. Qu'est-ce que c'est le 9e art? ¿Cuál será el noveno arte? Ah oui, ça, c'est une très bonne question. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabrá? Non. Alors, eso es cierto que después... Beaucoup d'autres arts ont été ajoutés. La mode, la gastronomie, hoy en día, et comme 20 arts. Cada país tiene su categorización. Mais le 9e, il est plutôt fixe. Il est plutôt. Es del país de mi no compatriota, de hecho. Pardon. Qu'est-ce que ce sera? Bon, alors, visiblement, il n'y a pas d'idée. Qu'est-ce que ce sera? Tintin, Milou? Les Schtroumpfs, Gaston. Et oui, le 9e art est considéré aujourd'hui comme la bande dessinée. Considéré comme le 9e art. Le 9e art. Las historietas, los dibujitos. On a même donc beaucoup de festivals pour honorer la BD. C'est vraiment quelque chose de très développé. Je vous recommande. Además, cuando uno aprende un idioma, eso es mucho más fácil que mandarse a leer una novela. Okay, sí. Voilà. Eso es verdad. Bien, donc le 9e art, la bande dessinée. Tal vez tendremos un día la oportunidad de presentar más de ese 9e arte. Noveno. Bien, alors, petit quiz, si vous avez encore le courage. Sí. Alors, aquí, première question. Donc... À Versailles, le concepteur de jardin à la française s'appelait Le Vôtre. Vrai ou faux? Falso o verdadero que el concepteur de los jardines a la francesa de Versailles se llamaba Le Vôtre. Vrai, faux, vrai. Alors, Agathe, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'était pas le tien, le mien, non, 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 c'est le faux. Nôtre, oui, c'est le exactement, nôtre. Exactement, Hernan, le nôtre, el le nuestro. Nôtre. Et non, el vuestro, c'est sí. Muy bien. A ti te toca, Agathe. Ouf, difficile. Quel musée parisien, ancien palais royal, hein, antiguo palacio real, expose la Joconde du fameux Léonard de Vinci? Le Louvre, le musée d'Orsay, le Grand Palais ou Versailles. Bon, alors là, c'est plus facile. Hein. Le Louvre, le Louvre, le A. Oui, oui, bon. On est tous d'accord. Non, se le podremos mentir. Hein. Exactement. La Joconde est toujours en train de se reposer. Sigue descansando, est le Louvre. Tout à fait. Troisième question. Alors, quel peintre a décoré le plafond actuel de l'Opéra de Paris? Alors, est-ce que c'est A, Bernard Buffet, B, Fernand Léger, C, Marc Chagall ou D, Robert Delaunay? Vous pouvez voir son... Oui, celui-ci est un peu plus difficile. Néanmoins... Hein, il y a peu de réponses, hay muy pocas respuestas, et ça baisse. Hein. Sí. On dit Fernand Léger, Chagall.
Et c'est Chagall. Effectivement, c'est Marc Chagall. Très bien. Tout à fait. Ensuite, une question facile pour continuer. Quel est le nom du sculpteur, du penseur? Cette sculpture. Georges Dubuffet, Auguste Rodin, Auguste Bartholdi ou Camille Claudel? Déjeme terminar de preguntar antes de contestar. Sinon, déjà, elle Por favor, merci. Oui, évidemment, c'est Rodin. Ce fameux Rodin. Et la dernière question? Qui a écrit Les Trois Mousquetaires? Est-ce que c'est Émile Zola, Alexandre Dumas père, Victor Hugo, Alexandre Dumas fils? Parce qu'il y a deux Alexandre Dumas. Il y a le père et il y a le fils. Et non, ce n'est pas le fils. Le père. Oui, c'est Alexandre Dumas, le père. Voilà. Qui a écrit le Comte de Monte Cristo. Voilà. Tout à fait. Donc, pourquoi? J'avais fait une faute, j'avais fait une slide pour vous remercier, mais ça n'a pas fonctionné apparemment. Mais donc, merci à tous, hein, et à toutes, bien sûr, d'avoir participé, hein, d'estar aquí con nosotras. Siempre es un placer para Gat y yo, hein, de presentar algo nuevo o algo diferente, y esperemos que les gustó mucho. Agathe, oui, ¿quieres añadir algo? Oui. Peut-être parler, donc acá tal vez conocieron gracias a Alternativa Francesa. Sí. On essaye de parler en français y tratamos de hablar en español a la vez. Hein. Les recordamos que todavía se puede inscribir y seguir tomando clase para poder entender cada vez más ese lindo idioma belga, francés, suizo, canadiense, lo que sea. Ese con sus acentos. Francés. Dale. Uy. Bueno. Et on vous souhaite à tous et toutes une très très belle soirée. Effectivement, une excellente soirée à tous et à toutes. Et nos vemos en la clase pour los estudiantes que tenemos. Dale. Au revoir tout le monde. Ciao, ciao.